Seul maître qui est mort à la croix pour nous, dans son nom seul, nous prions et nous disons Amen. Amen. Chers parents, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus. Pour venir vous dire bonjour. Pour vous remercier encore parce que notre fils, William Duro Martin, nous a donné une bonne nouvelle. Alors quand il nous a donné la bonne nouvelle, il nous a dit qu'on m'a ouvert la porte. Je viens, je vois l'eau, je retourne. Alors nous sommes venus vous dire merci pour ça. C'est ça la nouvelle. Thank you.
Merci beaucoup. D'abord de votre gentillesse de nous avoir remerciés et de cette visite que vous nous avez rendue. Nous avons bien suivi cette nouvelle que vous nous avez donnée. Nous sommes contents, nous aussi. Maintenant, nous venons aux deuxièmes nouvelles. Donc, avant de donner la deuxième nouvelle, nous allons demander votre permission de vous présenter toute la grande famille du Roi qui s'est déplacée. Avec votre permission. Merci. Nous sommes venus avec notre chef de famille, qui est en même temps le doyen du village. Et malgré l'âge et puis malgré ses occupations, il a tenu lui-même à venir personnellement nous accompagner. Je voudrais vous présenter Nana Duro Beke Foster et Nana Duro aussi. Ensuite, nous avons son frère qui est juste à côté, notre papa aussi. Et en même temps, le papa de lui, si vous avez peut-être déjà vu, Duro Mater. Et voilà notre maman. Madame Gros, la maman de l'Union. Il y a notre homme qui est là, qui nous a accompagnés aussi. Monsieur Akodia Thomas. Notre grand frère, Monsieur Betty Edgar. Ok, merci. Nous vous avons présenté toute la grande famille Duro, avec le papa biologique qui est sur place pour accompagner son fils et la maman biologique. Alors la deuxième nouvelle, c'est qu'ils se sont déplacés selon les nouvelles que nous avons eues dans le premier entretien. C'est-à-dire nous avons reçu une liste. Comme nous avons vu notre fleur ici, on a tourné partout dans le monde. Je dis dans le monde. Dans le monde, je dis bien dans le monde, on a trouvé une. Une. Il n'y en a pas deux. On a cherché chez les Hébreux, on n'a pas trouvé. Duro, il nous a dit, Martin nous a dit, Duro Martin, William, il s'appelle William Martin. Il nous a dit, vraiment, je ne dors pas. J'ai trouvé une fleur. Je suis parti partout dans le monde, je n'ai pas eu encore une comme telle. Alors, allons-y, je vais prendre ma fleur déposée chez moi pour la contempler tous les jours et l'arroser le matin et le soir. Alors, nous sommes déplacés pour cela.
Alors la liste que vous nous avez donnée, c'est pourquoi nous voulons venir déposer ça pour prendre notre femme et puis partir avec elle aujourd'hui même, si vous nous le permettez, parce qu'il nous dérange trop. Il ne dort pas, il ne peut pas travailler. Ma femme là, il y a une liste. Il dit bon, prenons la liste là, allons-y vers la famille. Comme ça, on va finir cette affaire là. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec ça. En tout cas, en suivant cette deuxième nouvelle, nous sommes contents, surtout de la première phrase. Mais avant toute chose, maintenant que nous connaissons la délégation, nous aussi, il faudrait que de notre côté, demain, quand on se rencontre dans la rue, moi je dis bonjour Papa Djoro, Papa Djoro ne peut pas m'appeler par mon nom. Donc il serait intéressant que chaque fois qu'on se voit, puisqu'on est en train de devenir une famille, et nous aussi, nous nous présentons de notre côté. Le pasteur, merci. Moi, je suis le pasteur. Pasteur Massieta Jérôme, de la famille. Et puis, je ne suis pas seul. J'ai ma femme aussi qui est là. Voilà. À côté ici, nous avons le père biologique de la fleur que vous avez trouvée. Cette fleur-là n'est pas venue comme ça. Il y a eu celui qui a fait que cette fleur vienne au monde. C'est M. Monoko. Vous voyez, il a habillé un drapeau de la RDC. Pour dire qu'il a la RDC en lui. Donc, il y a RDC Côte d'Ivoire qui va aujourd'hui se marier. C'est pas grave. Et puis à côté de lui, c'est sa femme qu'on appelle communément Maman Mireille. Maman Mireille. Quand vous l'entendez, c'est elle. C'est à côté ici, M. Massoua, Benjamin, lui aussi de la famille. M. Mampa Karemo, de la famille aussi. Et maman. Merci la tante. La tante. Madame Kassi. Elle a un côté Côte d'Ivoire parce qu'elle est mariée à un Baoulé. Voilà, c'est M. Matondo Jérémy. Voilà, il n'est pas seul aussi avec sa femme qui est là-bas, maman. Maman Belebinda. Aussi de la famille. Voilà, et ici, l'oncle de la fleur que vous venez chercher. Voici l'oncle. Nous sommes chez lui. Freddy Mouzengo. Okay. On n'a pas bien entendu. Freddy Mouzengo. Voilà. Maintenant qu'on se connaît, je viens à certaines phrases que j'ai entendues. Attention à ce que vous dites, je vais vous tenir au mot. Vous avez dit que vous voulez votre fleur pour la choyer, il y a eu beaucoup de choses derrière. Vous savez, chez nous, il y a un proverbe qui dit on ne peint pas le blanc sur le blanc. On ne peint pas non plus le noir sur le noir. Parce que chacun, que ce soit le blanc ou le noir, chacun a besoin de l'autre. Aujourd'hui, vous êtes. Nous vous recevons parce que justement, là où nous sommes, il y a eu votre fils, vous avez dit, qui vous embête, qui voudrait venir. On lui a ouvert la porte. Mais quand on lui a ouvert cette porte-là,
Je pense que la fleur, selon la tradition, vous appartenait en partie. Et vous nous avez laissé une responsabilité au point que j'ai commencé à avoir pitié de son papa, de sa maman, de ses tantes qui sont ici présents. Chaque soir, ils ne dormaient plus. Le matin, quand ils se réveillaient, dans leur tête, il y avait une chose. Est-ce que Mireille, ça va? Oui. Ils vont à gauche, ils passaient finalement tout leur temps à surveiller, à s'assurer que cette fleur-là allait bien, alors qu'il y avait une part de votre responsabilité que vous avez eue depuis ce jour-là. Mais vous nous avez laissé une partie de cette responsabilité. Mais finalement, nous on s'est demandé, dans cet état de choses, est-ce que je vais laisser ma soeur dans cette psychose ou mon beau-frère dans cette psychose? Je ne sais pas. On a fait une réunion, on a dit, bon, dans ce cas, pour éviter tout problème, tout risque, à Abidjan, il y a trop de voitures maintenant, dans la circulation, il y a beaucoup de dangers, il vaut mieux qu'on prenne l'enfant, qu'on l'envoie au pays, que l'enfant reste là-bas. Là, au moins, on est sûr qu'il est chez nous, qu'il sort dans la rue, on se connaît. Donc, cet enfant, cette fleur-là, elle n'est plus ici, dans ce pays. Nous, on ne voulait pas de problème. Hein. Où on est là, on ne voulait pas de problème. On a pris un engagement. Maintenant, c'est à vous. Parce que nous, on a fait ça. Ce n'est pas à nous maintenant de prendre la responsabilité. Quand vous venez chercher votre femme, vous la cherchez où vous l'avez laissée, mais vous supportez aussi une partie de ses responsabilités. Donc, actuellement là, on peut faire venir cette fleur. Mais il lui faut un billet d'avion. Oui, non. On peut négocier les concordes du papa de Mireille, même si c'est en état de pause. Donc, nous allons nous concerter pour pouvoir louer cet avion-là, pour que l'avion, qu'elle soit seule dans l'avion, pour éviter tout ce qu'il a. Nous allons nous concerter et puis faire la location de l'avion. C'est un petit porteur, vous avez dit, c'est un petit porteur. Nous nous sommes concertés, nous nous sommes dit qu'on vient d'abord demander pardon parce que nous-mêmes on devait sécuriser notre fleur. Et comme vous avez pris cette responsabilité, une part de responsabilité, de la sécuriser pour nous et l'envoyer jusqu'au Congo, nous vous disons merci. Et alors nous avons préparé ces billets d'avion-là pour que vous puissiez venir. Déjà, nous aussi de notre côté, puisque tout à l'heure nous avons parlé de deux couleurs, le blanc et le noir,
du fait déjà que vous aviez, vous étiez venu sécuriser, ouvrir la porte pour pouvoir entrer pour qu'on se salue. C'est, ça veut dire qu'il y a une relation familiale qui a été établie. Nous vous remercions. Ben, ce qui est dedans, nous savons que vous avez fait le nécessaire, vous avez prévu le billet d'avion. Nous savons que c'est suffisant. Nous allons demander à ce que on demande au pilote de venir avec son jet. Non, à penser ici. Bon. Vous savez, nous, les Africains, surtout dans les zones forestières, lorsqu'un arbre tombe, on attend le bruit de loin. Mais la forêt, quand elle pousse, bien qu'elle grande, on ne se rend pas compte, on vient le lendemain, on voit un arbre déjà comme ça. Alors qu'un seul arbre, quand il est tombé, il a fait du bruit partout. Donc, lui, elle seule, quand elle est arrivée au Congo, tout le monde commence à se demander, mais c'est quoi cette histoire depuis que tu es parti, tu viens nous rendre visite rarement et cette fois tu viens pour durer ici. Donc, ça fait du bruit. Tout le quartier, toute la grande famille finalement était au courant. Ah, elle est venue ici parce qu'on veut la sécuriser. Et de ce fait, comme il y a eu beaucoup de bruit, en plus ils ont appris que la belle famille est tellement puissante qu'elle a loué un jet privé qui allait rester. Tout le monde est monté dans cet avion. Maintenant que l'avion est arrivé, nous connaissons. Notre fleur là, nous la connaissons. Maintenant, vous, votre fils, qui ne dort plus à cause de notre fleur là, qu'il aille plutôt à l'aéroport, pour identifier, parce qu'il y a beaucoup de gens là-bas, c'est à lui de nous dire, bon voilà, c'est effectivement ça. Peut-être qu'il s'est trompé, nous, vous avez vu pourquoi on a déposé cette enveloppe ici. Comme ça, si on se rend compte que ce n'est pas notre fleur, on prend l'enveloppe, on vous la rend. Et nous, notre jet va retourner à nos frères. Ok. Nous allons demander à notre fils, parce que c'est lui, aujourd'hui. Okay. Comme chez nous ici, dans l'ancien temps, quand on faisait des maisons, les portes n'étaient pas comme ça. C'était des huttes et on coupait les pailles en bas. Quand quelqu'un vient, on peut les reconnaître par les pieds. Donc nous voulons vous demander si elle peut nous montrer les pieds et puis nous allons reconnaître notre chose par les pieds. Maintenant, alors nous allons demander, si vous nous le permettez comme ça, nous allons demander à notre fils, comme je disais qu'aujourd'hui c'est un jour qui n'est pas bon pour nous. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Donc, William Martin va nous quitter. Vous savez que ce n'est pas bon. Mais comme il a décidé lui-même de nous quitter, on pouvait faire funérailles, mais ce n'est pas funérailles. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas bonne nouvelle pour nous. Parce qu'il va nous quitter. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher. Donc lui-même qui veut s'attacher, la nôtre à venir, va regarder au pied. Si c'est ça, on saura qu'il va nous quitter définitivement. Bon, pendant que Williams va venir, nous voulons dire ceci. Donc lui peut déjà venir. Nous allons autoriser qu'on observe ça. Mais en temps normal, on aurait compliqué un peu les choses. Parce qu'on aurait pu dire, ah, c'est William qui est venu nous marier. Comme c'est lui qui vient nous épouser notre fille, il vient épouser notre coutume. On aurait fait quelque chose. Mais comme vous avez déjà dit, William est en train de vous quitter. Nous aussi, notre Mireille est en train de nous quitter.
D'accord. Cette fois, on a été tolérant parce qu'on voit que, en plus, vous l'avez dit à Lingala, et ça y était. Bravo. Vraiment. Devrait continuer son travail. Vraiment. Monsieur Moussan, on me fait languir là. Merci. Merci. Très bien. Vraiment, notre fils dit que quand il regarde, il ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas ces pieds-là, que ce sont ces pieds que lui nous a fait déplacer. Pourquoi prendre ces pieds-là? Lui, c'est ça, c'est pas ces pieds-là. Si on peut nous ramener encore pour nous. Là. Non, cette fois, c'est pas l'hôtesse qui. Non, ça, c'est. Comment on appelle même? Le mécanicien de l'avion. On va regarder ça. Il faut le transport, papa. Parce que le carburant est déjà assez. On appelle le billet d'avion. Le transport. Allez. Il faut la toucher pour voir. Bon, sortez la main. Sortez une main. Je ne parle pas du bras. Je mets une main. Bon matin, merci. Tu n'as pas de bonnes.
m'avait autorisé aussi un bras. Un bras, oui. Un bras. L'oncle dit un bras. La main. La main, oui. Vas-y, un peu plus. C'est un cache qui est là. Vous êtes sûr, hein? Oh, c'est un sûr, on fait attention là. Mais ben, il peut la toucher, non? Non, non. Il ne peut pas la toucher. Touche pas. Mais il fait sombre là. Doucement, doucement. Non, non, non. Notre fils qui est avec assurance, il ne peut pas se tromper, c'est elle. Ok. On va vérifier. Bien sûr. On va vérifier. On va faire bien plaisir encore. Hein. On se rend compte que Williams a deux atouts. Le premier atout, c'est que vraiment, il connaît sa fleur. En tout cas, nous, de notre côté, nous sommes déjà rassurés sur ce plan. La deuxième chose, le deuxième atout, on se rend compte que Williams a accompagné sa femme au salon quand on a fait les ongles. C'est comme ça que vous connaissez la couleur du vernis et il s'est basé sur ça. Mais il faudrait que ça continue. Hein. Si maintenant que nous sommes rassurés, maintenant qu'on a vu qu'il s'agit bel et bien de la même personne pour laquelle vous avez pu déplacer le chef et toute la famille, et pour laquelle nous également nous sommes mobilisés pour vous accueillir, il y a eu des échanges de courriers, des correspondances dans lesquelles nous avions donné des nouvelles de chacune des deux familles. Tout à l'heure, nous avons appris que dans le cadre de ce courrier, effectivement, vous étiez venu avec les nouvelles pour nous saluer par rapport à ce courrier, cette correspondance-là. Je pense qu'il est donc temps qu'on puisse vérifier si les messages de courtoisie qu'on s'était adressés les uns et les autres n'ont pas manqué de virgule, ou alors, quelque part, on doit pouvoir refaire un autre courrier. Pour ça, je vais passer la parole au président aussi. Vous avez une copie du courrier? Nous voulons que ça soit transparent devant tout le monde. Vous nous avez demandé, et je vous signale déjà que ce que nous avons envoyé ne vaut pas la valeur de notre fleur. Même si c'est des milliards, ça ne peut pas valoir la valeur de notre fleur qui est là. Mais nous avons fait rapidement parce que nous sommes ébriés, mais il y a une branche d'ébriés au Congo. Et cette branche-là, dans cette ethnie au Congo, on dit Mutu du Kubianza qui est du Chebeño. C'est-à-dire, les bois que tu as en mer, tu dois te servir pour tuer le serpent. Parce que si tu t'en vas chercher gros bois, tu ne vas pas trouver le serpent. Là. Donc, c'est le bois-là que nous sommes venus avec, qu'on a attrapé dans notre main pour pouvoir finaliser cette chose. Alors nous avons ici un complet de vestes noires ou bleues pour le papa Mono. Oui, voici la veste. Tu peux te pousser.
Enlève la fleur. Enlève la fleur. Enlève la fleur. Merci. Continue. Nous avons une chemise blanche, manche longue. Ok. Tu peux l'enlever? Non, non, ça va, ça va. C'est blanc. Nous avons une soupe. C'est là dedans? Oui, oui, c'est dans la chemise. Ok. Attends, on va vérifier. Parce que c'est la maman super, il faut une super. Ou une super fleur. Quatre pains. C'est écrit. Oui, c'est écrit. C'est griffé. Il y a griffé. Quatre pains de daguette. Tu as mis les pains ensemble. Quatre pains de daguette. Une paire de sandales fermées, numéro 38. Approchez.
sac de sel. Il y a une chef mais que nous avons amené en espèce. Nous n'avons pas pu avoir en nature. Combien? C'est 15 000 pour la chef. Trois casiers de sucreries. Une enveloppe de 200 000 francs. Donc, je crois que nous avons fait tous nos efforts pour pouvoir envoyer cette liste que vous nous avez demandée. Et nous vous demandons de l'accepter pour que notre fils soit en paix et qu'il nous laisse de nous déranger. C'est une demande. Nous savons, comme je le disais, ça ne peut pas payer une femme. Ça ne peut pas payer cette fleur. Ça ne vaut rien. Mais c'est comme un signe de reconnaissance, juste un signe. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a les dot qui s'élèvent à 2 millions, 5 millions. Parce que nous savons que c'est votre chose, vous avez le droit de fixer le prix que vous voulez. Mais vous nous avez fait grâce pour demander que ça. Alors nous avons fait cet effort-là pour reconnaître votre confiance que vous avez envers notre fils. C'est pourquoi nous avons amené ça. Nanfio, je vous remercie au nom de toute la famille parce que nous avons vérifié effectivement la correspondance. Nous ne parlons pas de la liste, nous parlons des échanges de correspondances qu'on a eu. Nous avons vérifié cette correspondance et on a vu que les échanges corrects. Pourquoi je parle des échanges? Pourquoi je parle? Parce que vous l'avez dit, cette fleur qui est assise là, elle n'a pas de valeur.
Elle n'est pas marchandable. Mais ce symbole qui relève de nos aïeux, ce symbole qui relève de nos ancêtres, est un signe, d'une part, de reconnaissance et d'autre part, d'honneur. C'est une façon d'honorer les parents pour dire, ah, vraiment Jésus. Parce que dans la rue, quand on se promène, on trouve beaucoup, beaucoup de filles. Le jour de la présentation, j'avais parlé d'un proverbe de chez nous qui dit que lorsque vous allez en forêt, vous trouvez une tortue sur un arbre, vous devez vous poser une seule question. Il n'y en a pas deux. La tortue ne grimpe pas les arbres. Comment elle est arrivée là-bas? Comment ça s'est passé? Si vous avez trouvé une tortue, c'est qu'il y a... Ne prenez pas la nourriture que vous avez trouvée à côté parce qu'il y a les propriétaires de la tortue dans les barrages. Donc, ce symbole, c'est justement pour dire qu'on s'est promené, on a vu beaucoup de filles, mais sur le plan d'éthique, sur le plan moral, sur le plan d'éducation, sur le plan religieux et sur le plan culturel, c'est la meilleure que Williams a trouvée. Et à partir du moment où Williams a trouvé la meilleure, il est important que Williams aille dire, en tout cas, je vous félicite les parents. Pour ce que vous avez fait, parce que j'ai circulé, Williams va même au Congo. Il pouvait dire, je suis allé au travail au Congo, j'ai trouvé une Congolaise meilleure. Il n'a pas pu trouver là-bas. Mireille est unique. Et c'est pour ça que, à titre symbolique, on a dit, parce que chez nous, cette valorisation au pays, je vous assure, elle peut atteindre 7 à 8 fois ce que nous faisons à l'extérieur. Parce que nous essayons de coupler un peu les différentes cultures, mais c'est simplement à titre symbolique. Donc nous sommes très contents que toute la famille, au nom de Williams, ait honoré M. Munoko et Mme Munoko pour tout ce qu'ils ont pu faire comme travail. Non pas seulement d'avoir mis Mireille au monde, mais surtout, parce que le plus important, ce n'est pas de mettre au monde. C'est tout le travail post-natal. Et ce travail-là, aujourd'hui, le résultat est là. Donc, puisque vous nous avez honorés, mais je sais que, surtout que le chef est venu, c'est-à-dire que le village entier est au courant, mais vous ne pourrez pas prendre avec vous, traîner tout le village pour venir ici nous honorer. La présence du chef et des parents et de vous tous nous honore suffisamment. C'est pour ça que nous disons, mais les frères qui sont restés là-bas, au village, ils doivent savoir que Mireille aussi nous a honoré, nous les parents, mais son mari est venu nous montrer démontrer ce témoignage d'honneur et d'amour. Et pour cette raison-là, nous avons pensé qu'il vaut mieux partager. Pas seulement, parce que nous sommes ici, nous partageons déjà cet événement, nous partageons cet honneur ensemble. Et je voudrais d'ailleurs vous dire par l'occasion que cet honneur n'est pas qu'à nous, ce n'est pas nous seulement que vous honorez. Nous, de notre part, nous considérons que vous vous êtes honorés parce que combien de filles et combien de garçons n'auraient pas pu disparaître comme ça, aller vivre en couple sans que les parents se retrouvent dans cette joie. Donc, de votre part, nous vous félicitons. Bravo à vous et je demanderai qu'on acclame pour cette famille. Donc, à ce titre, nous vous remettons ça. Comme ça, même une seule goutte, c'est toujours symbolique pour ceux qui sont restés aussi. Merci. Merci. Thank you.
Mireille, moi en tant que père, tu es la femme de Dieu, je t'ai vu grandir le bébé jusqu'au jour. Tu as tourné, toi Abidjan, l'homme, avant que je n'avale, que nous avalons, nous prenons tout ça, je pose cette petite question. L'homme que tu as vu que qui sera pour ta vie ce matin, William Kéla. Hein? Demain, je ne vais pas entendre. Et non, papa, je me suis trompé. Les filles d'aujourd'hui, c'est comme ça. Hier, c'était William. Oh, le lendemain, c'est Pierre. Ou c'est Jean. Mireille, écoutez-moi bien. On ne va pas recevoir ça deux fois. Une seule fois, ce matin, tu es d'accord que nous, on puisse vraiment prendre ça, voir ça, et on est content que c'est Martin que nous allons voir tout le temps. On va se promener dans Abidjan. Ah, Martin, mais c'est comment tu venais parce que. Regarde-moi bien, Martin. Je suis populaire. Je suis l'homme du peuple. Je te verrai, ah, dit Martin, mais tu te souviens encore? Je vais t'appeler. Je suis le père. Mais un père pasteur. Ok? Tu es chrétien, non? Tu es chrétien, non? Voilà. Martin aussi, je te pose la question. Tu as tourné, toi, Abidjan? Je les ai billets à bout de femmes, hein, des jolies, mais plus jolies. Il y a Baoulé, il y a Bété, il y a Djoukou, il y a Annie, y a tout, tout, tout. Tu as tout laissé pour aller à RDC. Tu es sûr? Très, très sûr. Demain, je n'apparais pas, non, c'était une erreur. Papa pasteur, il faut nous excuser. Même les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça dans l'église. Papa pasteur, il faut pardonner, comme il y a le pardon écrit dans la Bible. Ça ne se fera pas. C'est Mireille qui t'a trouvé. Le petit conseil, si c'est, avant de vous donner ce petit conseil, viens. Sans coutume, c'est pas à la Bible, hein? C'est pas à l'église. Ouvre-moi. C'est une preuve. Vous me donnez et vraiment vous vous êtes choisi. C'est vous. Faites-le-moi, je ne vais pas vous barrer. Ceci, restaurant, moi je t'ai appris à préparer. Faites bonne sauce, il faut savoir les ouvriers mangent quoi. Amen. À checker, n'est-ce pas? Ils sont forts dans checker avec poisson, sauce, tout ça. Faites nourrir-le très bien. Je vois qu'il n'est pas. Il n'est pas la chair. Il va devenir avec la chair. Ok? Je vois ici. Tu l'avais joli, non? Oui. Et puis, chez toi, demain, devient malin, comme ça. Ça, moi, je ne tolère pas. Ok, Martin, pour tenir la femme, c'est assez dur. Ok? Pour tenir la femme, il faut l'aider. Il faut des sacrifices pour une femme. Et la femme doit faire des sacrifices pour son mari. C'est ça le mariage.
Le mariage, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas se promener seulement. Mais le mariage, savoir faire des sacrifices. L'amour mérite les sacrifices. Si vous l'aimez, vous devez faire des sacrifices. Si vous aimez Martin, il faut faire des sacrifices. Et vous allez grandir, vous allez être beau. Ok? Bien. Allez vous asseoir. Maintenant, je parle de tout le monde. Martin, lève, reste là. Reste là. Debout. Martin, tu m'as dit que tu es chrétien. Tu es chrétien. Moi, je suis pasteur. Nous sommes famille chrétienne. Dans la famille chrétienne, écoutez-moi, vous tous maintenant. La dot, c'est reconnu dans la Bible. Même Abraham qui a envoyé son serviteur aller prendre une femme pour son fils Isaac. On a donné la dot. C'est reconnu. Mais si en Côte d'Ivoire, Oufoué, le président Oufoué a dit la dot est facultative. Parce que les gens exagéraient. C'est comme l'autre a dit, si c'était en RDC, la dot là, vous allez payer 1 500 $. 1 500 $ équivaut à 750 000. Ça, c'est en espèces. Et quand vous allez calculer les choses qu'on allait demander, pas une pièce de wax sur l'année, 5. Et les boissons, c'est pas 3 casiers comme ça, 30. Et ça, quand vous calculez, vous arrivez à 2 millions. Normalement, ça devrait être comme ça. Mais nous, on est chrétiens. On a dit, on ne peut pas exagérer les choses comme ça. On ne vend pas un enfant, mais c'est un symbole selon la Bible. Alors, nous voulons dire ceci. Dans la coutume, maintenant, de la Bible, en tant que des chrétiens, la dot ne donne pas droit à prendre la femme à l'éporter. Suivez-moi bien. Ça te donne droit à savoir que non, je peux aller en famille regarder ma femme. C'est pourquoi nous allons garder cette femme pour toi. On va la garder chez nous encore, à la maison. Là aujourd'hui, tu vas retourner seul. Mais alors, parce qu'il y a trois types de mariage. Il y a coutumier, il y a civil et il y a religieux. Ce que tu as fait, c'est le mariage coutumier. En Côte d'Ivoire, on ne reconnaît pas ça trop. Mais nous attendons le mariage civil. Ça, c'est une imposition. Ce n'est pas une demande, mais une imposition. On t'impose qu'il faut amener Mireille ou ça à la mairie. Ces jours-là, à la mairie, je ne te dirai jamais que ce n'est plus ta femme. Si tu l'as eu à la mairie, et de la mairie tu viens, moi pasteur, je vais porter ce jour-là ma touche, le pasteur. Quand je vous fais ça, vous êtes à genoux, je vous ai béni. Parce que dans la Bible, Dieu a béni Adam et il a dit, vous êtes bénis, soyez féconds, multipliez-vous. Tant que la bénédiction, nous n'avons pas prononcé ça, ce n'est pas ta femme. C'est clair? Là, c'est parce que nous sommes chrétiens. Si on n'était pas chrétien, ça allait se limiter ici, prenez la femme, allez-y. Maintenant, attendez, tout ça le reste. Mais parce que nous sommes chrétiens, j'insiste, la femme, on va la garder. Tu nous fixeras une date d'aller à la mairie. Parce que c'est une garantie pour notre fille. Parce que tu la prends aujourd'hui, nous ne souhaitons rien, demain il y a quelque chose, l'État va nous demander, est-ce qu'ils se sont mariés? Oh oui, ils se sont mariés, comment? Coutumièrement, non, on ne connaît pas ça. Mais quand c'est à la mairie, on dit marié coutumièrement, marié civilement, oui. Montrer les documents, on a des documents, on dit, ah non, non, ils sont mariés. Il y a des engagements. Parce que les chrétiens doivent respecter l'État. Et nous devons respecter l'État de la Côte d'Ivoire.
qui a dit la dot est facultative, mais les mariages reconnus, c'est le mariage civil. Quand vous allez quitter à la mairie, nous, on va vous bénir. Allez, équipez-vous, soyez féconds. Mais pour l'heure, nous te demandons vraiment de nous fixer la date. Si tu veux vraiment ta fleur, ne traînez pas. Nous ne te demandons pas une cérémonie extraordinaire. Le mariage à 4, ça s'est fait. On va à la mairie, à 4, on fait, et c'est venu, on a signé les documents. On est sorti, on vient. Même si vous êtes sorti de là, même si vous me dites, pasteur, papa, pasteur, bénis-nous, n'importe où. Je vais vous amener n'importe où, je vous bénis. J'ai béni ce que l'État a fait. C'est l'État qui fait marier. Et nous, Église, nous reconnaissons seulement ce que l'État a fait pour clore avec la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de l'État. Ça va? Matin, c'est clair? Donc, j'attends ton coup de fil. Dire, papa, nous sommes aujourd'hui le 27 octobre. Attends-moi le 5 novembre. Nous, on va à la mairie. Il y a jeudi, il y a samedi. N'attendez pas de cérémonie extraordinaire. Si tu veux nous bénir rapidement, je le ferai. Ok? Donc j'attends le coup de fil. Papa, merci beaucoup que tu es présent. Maman, merci que tu nous as donné ces beaux garçons. Hein? Mais nous attendons la mairie ce jour-là. À la mairie, vous nous verrez. Je ne vais pas m'habiller comme ça. Ce jour-là, mais c'est le même pasteur. Oui, mais c'est changé. Ok? Donc, matin, on vous attend vraiment, mais nous gardons ta main. Nous savons que, comme on lui a dit, nous ne prendrons pas ça deux fois. Chez nous, on ne prend pas ça deux fois. C'est celui-là qui est venu, nous on garde sa dot. Jusque le jour où tu vas à la mairie, à l'église, on vous a béni. C'est fini pour nous, on dit, on viendra la laisser. Il y a une formule que nous ferons pour la mettre chez toi à la maison. Ce n'est pas comme ça qu'elle viendra entrer. Tu verras, nous les parents, comment on va venir la laisser à la maison chez toi. Le jour où tu as été à la mairie et on a béni le mariage, c'est fini. Nous, on viendra la laisser chez toi à la maison. Je pense qu'on a beaucoup entendu. Que le Seigneur vous aide. Je sais qu'il ne faut pas multiplier 10 pour l'amour, il faut beaucoup d'argent encore, tout ça. Non, non, non. Mariage à 4, on le fait, on vous bénit, ça suffit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. C'est plus fort que fumer, c'est maintenant tu viens. C'est maintenant il vient fumer. Pour la nourriture, pour top là. Il y a un envoyé ça. De la tendresse, il y a beaucoup de bonheur et que ce bel amour dure à jamais et que cette union soit comme un conte de fées et qu'il vive bien sûr heureux. On rappelle que le buffet est ouvert. On rappelle qu'il y a encore de la tiquette, du kep, du foufou, du chicomba. Nous allons bien sûr participer à cette très belle aventure que nous avons bien sûr la Ukraine 2009. Et donc, les invités continuent bien sûr de venir. Les félicitations continuent. Les félicitations pour la tour de l'Ukraine. Thank you.
messieurs, pour vous marier. C'est leur jour, il faut leur faire plaisir, c'est très important. Thank you.
Arte, bien sûr, du grand Lifoko du ciel. Le pop, bien sûr, que notre régisseur nous prépare quelque chose. C'est vous, Lolo, chéri, c'est vous toujours. Soyez sans cesse heureux. Pardonne-vous, Lolo, pardonne-vous toujours. Soyez sans cesse joyeux. Chéri, c'est vous, Lolo, chéri, c'est vous toujours. Soyez sans cesse heureux. Voilà.